Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avram Mordechai Ben Yitzhak Befani David Ben Fortuna Mazal Fritna et Dvorah Bat Esther. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous allons essayer de tout vote. Perek, Tet, Mishnah Vav, Alcha Mikever, Baala, Levet Avia, Oshe Chazra Levet Hamia, Velona Sitapotrofa, En Ayorjin Majbinota, Veimna Sitapotrofa, Ayorjin Majbinota, Ala Atid Lavo, Ven Majbinota, Alma Sheava. On continue à parler des droits du mari de faire jurer sa femme, dans quelle situation oui, dans quelle situation non. Et maintenant, on continue avec à parler du cas où le mari a déchargé sa femme, on va le faire comme ça. Le mari s'est défait du droit de faire jurer sa femme en toute situation. D'accord? Maintenant, le mari décède. Donc, elle pourra venir récupérer sa ktouba directement, sans rien jurer. Il y a écrit que tu me dois 200 000, je viens, je récupère des biens du mari, les 200 000, les héritiers ne peuvent pas me faire jurer parce qu'on m'a dispensé de jurer. D'accord? Maintenant, il y a une situation où, vous imaginez, que le mari avait des petits-enfants, en bas âge, et il a laissé cette femme-là, cette veuve, maintenant, et en fait, il lui a demandé, avant de décéder, il lui a demandé d'être apotrophos sur les biens. Qu'après son décès, que lui, elle s'occupe d'élever les petits, de gérer les biens, elle prendra sa part, en conséquent, elle laissera aussi la part aux enfants. Et donc, elle devient donc apotrophos de Yetomim. Elle devient maintenant la tuteuse, tutrice, je ne sais pas comment dire, elle devient le tuteur, on va dire comme ça, puis c'est tout. Elle devient, elle, tuteur des enfants, celle qui s'occupe de gérer les biens du mari, de les faire fructifier, de donner à manger à toute la famille, et même à elle-même, si déjà, et après, jusqu'à ce que les enfants grandissent, et que maintenant, ils récupèrent leur bien, ils lui donnent à elle la ktouba, où ils continuent à le nourrir, il y a la chotte qu'on a déjà évoquée, qu'on évoquera encore plus, comment ça se passe, et voilà. Ça, c'est quand elle est devenue apotrophos. Maintenant, qu'on soit clair, le mari l'a déchargé, c'est des faits du droit de la faire jurer, pour tout ce qui s'est passé du vivant du mari, mais tout ce qui se passe après la mort du mari, pour tout ce qui se passe après la mort du mari, quand elle va gérer les biens du mari, on va commencer par là, alors, bien évidemment, les héritiers seront en droit de faire jurer la belle-mère, qu'elle fait tout de manière transparente, qu'il n'y ait pas de détournement de fonds, que tout ce qui rentre est bien déclaré, est bien mis quelque part, et que ça va leur revenir de droit. Ils sont en droit de le réclamer, de jurer. Il y a maintenant une halakha particulière, pour ce qui concerne les frais depuis le moment où le mari décède jusqu'à que la femme décide de repartir chez son père ou même de venir elle gérer la maison. Il y a toute une période, ça dure quelques heures en fait, ou quelques jours peut-être, qui concerne tout l'enterrement du mari lui-même. La Michelle va me dire, on ne fait pas jurer la femme sur les dépenses de l'enterrement. Parce que si on commence à prendre la tête à la femme à cette période, alors il va falloir qu'elle prouve, qu'elle justifie, qu'elle va aller chercher des témoins pendant ce temps. Le mari, lui, il n'est toujours pas enterré, et ça va. Alors donc du coup, pendant toute cette période, depuis le moment où il décède jusqu'au moment où on l'enterre, on ne demande pas de compte à la femme. On la laisse gérer à sa guise et à dépenser sans la faire jurer qu'elle l'a fait de manière tout propre et clean. D'accord? On ne va pas le soupçonner sur cette petite période. C'est voilà les deux messages de notre Mishnah. On commence avec la première partie. Al-Kham Kever Ba'ala. Les bêtes Chamia. On parle d'une femme donc qui était dispensée de jurer. Elle est partie depuis le Kever Be'ala, depuis la tombe du mari, juste jusqu'à les bêtes Avia pour entrer dans la maison de son père. Ou bien Shachazra les bêtes Chamia. Elle est repartie dans la maison de son beau-père pour continuer à gérer, pour continuer à vivre maintenant. Il y a plusieurs femmes. Une veuve, elle peut soit décider de partir dans la maison de son père, soit rester dans la maison de son mari, si elle veut. Elle veut rester avec la maison de son mari. Il y a des choses différentes. On verra tout ça, Bezrat Hashem. On a déjà évoqué aussi un peu. Et donc, Oshachazra les bêtes Ramiya, Velon a cette apotrophe. Elle n'est pas devenue apotropos, on ne l'a pas donné tuteur des biens. Dans ce cas-là, En Ayoroshin Majbi Inota, les enfants ne seront pas en droit de la faire jurer, comme il nous le dit le Bartanoura, sur toutes les dépenses qu'il y a eu depuis le décès jusqu'à l'enterrement. Où il a fallu appeler la Chevra Kadisha, il a fallu acheter la tombe s'il n'y en avait pas, il a fallu toutes sortes de frais, on ne va pas la faire jurer. Pourquoi? Parce que si tu vas commencer à lui réclamer, donc
Din Becheshbon, prouve-moi ce que tu as dépensé, ce que tu n'as pas dépensé. Elle va partir chercher des témoins, on va commencer à... Et pendant ce temps, le mari, le pauvre, il n'est pas encore enterré, il va... Son corps, il va commencer à se détériorer, c'est pas du tout digne. On lui pose pas de questions, on lui demande pas de réponse, et qu'elle avance le plus vite possible pour l'enterrer. D'accord? Maintenant, Vimna sit apotropha. Maintenant, si toutefois le mari l'avait nommé apotrophos, tuteur des biens, pour faire ensuite s'occuper de faire fructifier les biens, le temps que les enfants grandissent en général, alors dans ce cas-là, ayorshin mashbin ota ala atid lavo. Les héritiers de la femme pourront, les héritiers du mari plutôt, pourront la faire jurer à la atid lavo sur tout ce qui se passe depuis après la mort, après l'enterrement du mari, sur tout ce qui se passe. Ven mashbin ota al mashavar, mais par contre, ils ne pourront pas lui dire, attends, si déjà tu dois me jurer que après, le mari, il est décédé quand les enfants, quand le garçon, il avait 8 ans. La femme, elle a dû ensuite gérer les biens jusqu'à ce que le garçon atteigne, on va dire 13 ans. Je crois que c'est même 20 ans. On va dire 13 ans, c'est tout. Donc pendant maintenant 5 ans, c'est la femme qui a géré les biens. Après, lorsque l'héritier va ensuite voir la belle-mère, il va lui dire, bah, maintenant tu me donnes ma part, tu me donnes tout ce que tu as fait fructifier, parce que tout me revient de droit. Donc ça, je te fais jurer qu'il n'y a pas eu de détournement de fonds depuis de 8 à 13 ans. Et là, on avait déjà évoqué que dans certaines situations, si déjà tu dois jurer, je peux peut-être saisir le droit de te faire jurer. Si déjà, je voudrais que tu me jures aussi que depuis le vivant du papa, qu'elle n'avait pas détourné des fonds, qu'elle n'avait pas déjà reçu ce que va. Et là, la Mishnah me dit non, il n'est pas en droit de la faire jurer parce que pour tout ce qui concerne la période où elle vivait avec son mari, le mari l'avait défait du droit avait renoncé au droit de la faire jurer. Je reprends, peut-être j'ai pas été assez clair, c'est simple. On parle que Yaakov, il s'est marié avec Rachel. Lorsqu'il s'est marié avec Rachel, il a dit, tu reprendras ta ktouva quand tu voudras, sans que je te fasse jurer, il s'est déchargé, il a renoncé à son droit. D'accord? Yaakov décède, et il laisse un enfant de 8 ans. Rachel, pendant son temps, gère tous les biens, jusqu'à que le petit atteigne 13 ans. Lorsque le petit atteint 13 ans, il vient maintenant réclamer à Rachel, il dit, maintenant, je voudrais bien toucher ma part maintenant de l'héritage, je suis assez grand pour maintenant gérer tout ça tout seul, donne-moi tous mes biens, et jure qu'il n'y a pas eu de détournement de fonds depuis que des 8 ans jusqu'aux 13 ans. Il pourra la faire jurer. Par contre, il ne pourra pas la faire jurer rétroactivement sur toute la période qu'on était marié avec son mari. Bien qu'en général, si déjà tu jures, j'ai le droit de te faire jurer sur d'autres choses que je n'avais pas le plus de droit. Mais là, sur toute cette partie-là, puisqu'elle a été déchargée complètement du droit de la faire jurer par Yaakov lui-même, alors elle n'aura aucun compte à rendre sur ça, elle pourra plus, le petit ne pourra plus réclamer à Rachel de jurer. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, Salam.